Salut, c'est Lingen. Vous voulez créer une landing page, une page d'atterrissage, une page de capture pour capter les emails de vos prospects parce que c'est très important de le faire. Bonne nouvelle, dans cette vidéo, on va voir les meilleures solutions qui vous conviendront le mieux. Alors, si vous voulez commencer simplement, sans que ce soit trop galère et sans que ce soit trop coûteux, le plus simple, si vous avez déjà un blog et un site WordPress, c'est d'utiliser, de juste créer une page. Vous créez une page WordPress. Normalement, dans le thème que vous utilisez, vous aurez à droite la possibilité de choisir comme modèle un modèle sans sidebar. Donc, ça va être pleine page. Et puis là, vous écrivez votre texte et en dessous, vous utilisez l'outil de répondeur que vous utilisez. Vous allez pouvoir intégrer un formulaire sur cette page. C'est réglé. Aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez des outils plus avancés, donc si vous utilisez un autorépondeur, vérifiez déjà si l'autorépondeur vous propose un outil de landing page. Donc moi, j'utilise personnellement ConvertKit. Donc je vous mets le lien en dessous. ConvertKit a des très belles pages d'atterrissage. C'est très propre. Forcément, il faut payer cet outil-là. Mais de toute façon, vous avez besoin d'un autorépondeur. Donc, prenez ConvertKit si vous voulez un outil qui fait autorépondeur et landing page. Ça, c'est ma première suggestion. Deuxième suggestion, c'est d'utiliser un outil comme System.io où là, vous pouvez vraiment tout faire. Landing page, page de vente, tunnel de vente, formation, webinaire automatique. Ça, c'est la deuxième solution qui vous est offerte. Sinon, je vous recommande aussi Podia si vous voulez créer des formations et avoir un espace membre super beau. C'est l'outil que j'utilise aussi. Podia, ça va vous permettre de créer des landing pages pour juste capter des emails. Alors, c'est pas le but premier de cet outil, ok? Ce sera surtout un outil pour créer des formations payantes. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser des plugins WordPress. C'est tout de suite plus compliqué à utiliser. Je vous le dis tout de suite. Donc là, je vous fais la liste d'un coup. Il y a Elementor, Divi, Thrive Themes. Voilà, c'est peut-être les trois gros. N'allez pas sur ThemeForest chercher des trucs super compliqués. Non, prenez un des trois gros. Pareil, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Et ce serait quoi la dernière solution? Oui, la dernière solution, et c'est une solution que j'utilise mais qui est tout de suite plus coûteuse, c'est d'utiliser Lead Pages. Lead Pages, c'est un outil payant, ça commence par 25$ par mois, je crois. Et donc, vous allez pouvoir créer des landing pages et les intégrer sur votre site via un plugin WordPress. C'est l'outil le plus facile à utiliser, le plus abouti, mais qui fait qu'une seule chose, c'est les landing pages. C'est pour ça que c'est très bien fait parce que leur métier, voilà, toute leur expertise, ils la concentrent sur ça. Mais je vous recommanderais d'utiliser cette solution vraiment si vous avez un business un peu plus avancé qui vous génère des revenus, parce que juste payer 25$ pour un outil de landing page par mois, en plus un autorépondeur et en plus peut-être un outil pour héberger vos formations en ligne, ça peut coûter cher. Donc, si vous voulez économiser, je vais terminer par ça, si vous voulez économiser et que vous voulez un outil tout en un qui fait tout, moyennement bien, j'ai envie de dire, mais moyennement bien de tous les outils, c'est déjà très très bien. C'est system.io, je vous mets le lien. Mais sinon, si vous voulez juste un outil qui fait landing page et emailing, ConvertKit, pour moi, c'est de loin le meilleur outil. C'est très efficace, c'est en anglais, mais c'est un anglais relativement simple. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai d'autres outils. Peut-être laissez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je vous présente autre chose. Ciao, ciao!